Bienvenue sur FreeCAD 0.21 sur Artix Linux. Comment réaliser une trémie en tôle? Une trémie, c'est un genre d'entonnoir que l'on va réaliser dans un atelier de tôlerie, enfin de chaudronnerie, pour utiliser le terme exact. Donc, c'est une tôle qui a été découpée, soit dans l'atelier, soit au moyen d'une découpeuse laser. Et cette tôle, on lui a imprimé à cette tôle quelques petits plis pour que, vu d'en haut, ça fasse un angle de 90 degrés. Et ici, l'arc voulu. Avant de démarrer, j'aimerais vous montrer ces deux esquisses. Un carré avec des congés et un cercle. Si je crée un lissage à partir de ces deux formes, j'obtiens ceci. J'ai aussi un semblant de trémie, mais vous voyez, ici, on n'est pas plat, parce que nous, on veut quelque chose qui soit plat ici, que l'on puisse réaliser dans l'atelier, comme ça. Or, ici, je ne peux pas, voilà, avec de la tôle, à moins d'avoir une presse à emboutir, et encore. Ou alors, si je veux l'imprimer en 3D, là c'est bon, je peux l'imprimer tel quel. Mais nous, on va essayer de faire ceci. J'ouvre un nouveau document, je vais directement dans Sketcher, je n'ai pas besoin de Part Design. Je crée une nouvelle esquisse, vue de dessus, X, Y. Je bascule mes icônes en mode, comment on appelle ça? Géométrie de construction, elles deviennent bleues. Je choisis l'icône rectangle centré. Je clique sur le centre de mes coordonnées. Je trace un rectangle. Clic droit, je sors. Je sélectionne cette ligne, celle-ci sans presser CTRL. Je presse E ou je clique sur égal. J'indique une longueur en pressant L de mon clavier ou en cliquant là-dessus. 300 mm. Je clique sur la petite loupe pour tout voir. Maintenant, j'utilise l'icône congé d'esquisse préservant les contraintes et je clique sur ce sommet. Clic droit, je sors, je sélectionne l'arc, je presse R ou je clique sur cette icône et j'indique 10 mm. Tout est contraint. Par contre, ce petit bout d'arc, j'aimerais qu'on le voit à la fin, que ce ne soit pas une géométrie. Donc, je clique sur basculer. Donc, tout est bien. Une deuxième esquisse. Donc, pour ne rien sélectionner, je clique dans le fond de ma vue 3D ou dans le blanc ici. Je crée une nouvelle esquisse dans le même plan, X, Y. Là, j'utilise le mode d'affichage normal des icônes avec un arc centré. Donc, je clique sur le centre de mes coordonnées, sur la ligne X. Sur l'axe Y, clic droit, je sors, je sélectionne, je presse R ou je clique là-dessus et j'indique 75 mm. Je ferme, je clique sur ma loupe et je vois tout. Maintenant, il va falloir décaler le sketch 001 en Z, donc position Z. Je vais le monter de 150 mm. Très bien. Je clique dans le blanc ou ici et je crée un troisième sketch, une troisième esquisse, toujours dans le même plan. Je clique sur l'icône Créer une géométrie externe, c'est-à-dire ça. Je vais utiliser l'icône Ligne. Je l'accroche là-dessus. À l'horizontale, je vais sur Y. Je fais de même en verticale jusqu'à X. Voilà, tout est vert, tout est contraint. J'ai mes trois esquisses. Nous allons créer ce quart de trémie à partir de trois éléments. Donc, premier élément, on va le créer à partir de l'atelier Part. Je clique sur lissage et ces deux sketchs peuvent être utilisés. Je clique sur OK. Voilà, j'ai déjà l'angle. Ensuite, la suite. La suite, c'est ça. Je presse CTRL. Et je sélectionne cette arête et je clique sur créer une surface réglée. Si ça ne marche pas d'un côté, recommencer et sélectionner les lignes à partir de l'autre côté. Il m'est arrivé d'avoir des surfaces, comment ils appellent ça, des surfaces réglées un peu bizarres. Bon, on va essayer. Ça a bien marché d'un côté. Je presse CTRL, je sélectionne les deux. Ici, c'est bon.
j'ai donc un quart de trémie qui est prêt. Pour me donner de l'épaisseur à tout ceci, c'est faisable. Voilà, j'ai trouvé comment. Je sélectionne cette face parce qu'on n'a que des faces ici, hein. Il n'y a pas d'épaisseur encore. Donc je clique sur décalage, offset. Donc ici, je vois déjà apparaître quelque part, voilà, une deuxième ligne. Vous la voyez là? Voilà, mais moi je la veux vers l'intérieur. Donc j'indique moins 2 mm. Donc elle est à l'intérieur et je coche remplir le décalage comme ceci. Je regarde ça d'en haut. Donc je clique sur cette icône. Et pour donner de l'épaisseur à mes deux parois que voici, je ne peux pas créer d'offset. Par contre, je peux créer une extrusion. Et pour ce faire, il va falloir que je prépare deux petites lignes. Donc, autrement, ça ne va pas. Je vais essayer. Je trace une ligne qui va de là à là. Je me déplace. Clic droit maintenu. Hein, c'est gesture que j'utilise. Une autre ligne qui va de là à là. Maintenant, je peux sélectionner cette face, je vais dans Part, je clique sur Extrusion, et cette extrusion doit se faire le long d'un chemin, donc le long d'une arête. Donc je coche le long d'une arête et je sélectionne mon arête. Mais pour mieux y arriver, je fais disparaître tout ce qui est là. Voilà. Maintenant, le long d'une arête sélectionnée, je sélectionne mon arête, elle apparaît ici. J'indique 2 mm d'épaisseur, je presse Enter, voilà, et mon épaisseur s'est faite du mauvais côté, mon extrusion. Donc je sélectionne Extrude, Reversed, je passe Reversed sur True, je clique gauche, voilà, je suis du bon côté. Eh bien, on va faire de même ici, voilà, extrusion, le long d'une arête que je sélectionne, si elle veut bien, ici, elle apparaît. J'indique mes 2 mm, extrusion primaire, du mauvais côté nouveau, c'est un peu la loterie, mais ce n'est pas grave. Donc on est, attendez, extrusion, reversed, through. Donc j'ai tout cela, je peux regarder ça du dessus. Et je peux, par exemple, sélectionner ces trois éléments, contrôle maintenu. Je clique sur l'icône outils pour décomposer, c'est celui-ci, créer un composé. Je sélectionne mon composé. Je vais dans l'atelier draft. Je clique sur l'icône réseau polaire. Je veille à ce que j'ai ici des zéros. Donc je clique sur réinitialiser le point. Si des fois j'ai glissé... Vous voyez, si je vais à droite, donc je réinitialise, et ici j'indique 4. Et voilà, ma trémie est prête, je peux l'imprimer. Mais finalement, j'aimerais une trémie sur laquelle on voit apparaître les plis. Alors, je vais déjà récupérer les esquisses. Donc c'est Sketch, Sketch 001, je presse CTRL, je presse CTRL plus C, j'ouvre un nouveau document, je presse CTRL plus V, ou clic droit coller, je clique sur la loupe ici, et j'ai mes esquisses. Maintenant, dans l'atelier draft, je peux créer des points. Je vais créer, donc je clique ici, je crée un premier point que j'accroche ici, et un deuxième point que je vais accrocher ici. Vous voyez, l'accrocheur, c'est uniquement celui-là qu'on utilise aujourd'hui, fin de ligne. Donc ici, voilà, je mets mon curseur ici près de la fin de la ligne. Je n'ai pas besoin de viser le point. Si je vais vers là, c'est bon. Je sélectionne mon premier point. Contrôle maintenu. Je sélectionne ma courbe. Je sélectionne l'outil qui s'appelle réseau selon une courbe. Et j'ai obtenu un premier passe arrêt avec 4 points. Je vais faire de même pour la suite. Je sélectionne le point. Oui, il est sélectionné, ça se voit à peine, hein, si j'agrandis. Vous voyez, c'est un peu vert, mais ça ne se voit pas beaucoup. Le premier point, le contrôle maintenu, la courbe qui est à côté.
et je clique à nouveau sur réseau selon une courbe et j'ai deux passes array. Je les sélectionne, contrôle maintenu, et dans count, je vais passer ça à 8 occurrences. Donc j'ai 8 points qui apparaissent. Je peux masquer les esquisses et je dois maintenant tracer une série de petits points. Oui, il n'y a pas de fonction automatique, du moins je n'en ai pas trouvé pour créer cela, mais bon, force est de reconnaître que c'est pas bien long. Voilà. Là, je dois presser A ou cliquer sur terminer. Vous voyez un A entre parenthèses. On va faire de même ici, puisque c'est rigolo. L'outil polyligne, je m'accroche sur le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et je presse A. J'ai mes deux wires qui apparaissent, je peux masquer arrêt et arrêt. Il me suffit à présent d'aller dans l'atelier Part. Je crée un lissage à partir de wire, et celui-ci, double-cliquer, ça marche aussi, et je clique, et j'ai ma première partie de mon quart de trémie. Pour les faces latérales, ce n'est pas bien compliqué, je sélectionne, comme précédemment, la ligne, cette arête, je clique sur « Créer une surface réglée », pareil ici, contrôle maintenu ici, et je clique sur « Créer une surface réglée ». Je regarde ça de dessus en pressant 2 ou en cliquant là-dessus. Et j'ai mon quart de trémie qui est prêt. Pas la peine de créer une épaisseur. La face suffit bien pour visualiser ce qu'on veut faire. De toute façon, je ne suis pas arrivé, moi, à créer une épaisseur, sauf en bidouillant. Alors, on va laisser ça. Ça ira très bien. Ce qui serait intéressant, ce qui est même important, c'est de créer, de déployer maintenant cette forme pour avoir le tracé de la tôle à découper. Alors, ni l'atelier Curves, ni l'atelier Sheet Metal ne sont arrivés à déployer cela, ni tout ou partie, ni juste cette partie, ni les autres. Par contre, il y a un moyen d'y arriver. Ce moyen, il est fort classique. Je vais dans l'atelier Mesh. Je sélectionne la première partie, le loft, ici. Attendez, je clique. Je sélectionne le loft. Je clique sur « Créer un maillage » en mode standard 3 mm, 3 degrés, oui, ça devrait marcher. Voilà, je vais faire de même à partir de cette face. Ok, j'ai deux maillages. Le troisième, c'est pas la peine. D'ailleurs, je crois j'ai eu des problèmes même à le créer. Donc, mais ça ira très bien. Je choisis mon premier loft. Je clique sur « Maillage »,« Développer un maillage ». Donc, on a une projection 2D de cette forme. Donc, la forme, elle est déployée. Je fais de même pour cette surface-là, « Ruled Surface ».« Maillage »,« Développer un maillage ». Et j'ai les deux éléments qui apparaissent. C'est un peu le TRC dans les ordres, mais ce n'est pas grave. On va arranger ça assez rapidement dans l'atelier Draft. Je sélectionne cette pièce, attendez, je regardais ça d'en haut, hein. Voilà, de haut, hein, cette icône. Je sélectionne le shape 001, je vais le pivoter, donc c'est ici, pivoter, ici je clique vers la fin de la ligne, c'est pas la peine de viser le point, vers la fin de la ligne, ici, et ici vers la fin de la ligne, et là, je peux l'orienter comme je veux, donc si je presse X, je suis contraint horizontalement, vous voyez, je peux bouger mon curseur, je reclique, voilà, donc cette pièce est redressée, je sélectionne la deuxième forme, le deuxième shape, je vais déplacer cette forme, moyen de cette esquisse là aussi, je clique ici, et je place cette forme là-dessus, je vais la pivoter, donc pareil, je clique sur pivoter, le centre de rotation, un point de référence, et je m'accroche sur cette ligne. Il me manque le complément, qui est facile à obtenir. Je sélectionne la forme que voici. Je crée une symétrie. Je clique deux fois pour indiquer l'axe,
Et donc j'ai la forme qui est apparue ici. Je vais la déplacer. Donc là, je la mets ici. Et comme précédemment, je pivote. Le centre de rotation est là. La référence est là. Et je me mets là-dessus. Et voici que tout est prêt. Je vais masquer ce dont je n'ai plus besoin. C'est de maillage. Je vais regarder ça de dessus en pressant 2 de mon clavier ou en cliquant là-dessus. Et je vais faire disparaître cette grille en pressant GR ou en cliquant sur cette icône. Si je veux découper moi-même cette tôle, ici on a le déroulé, eh bien je peux l'exporter vers TechDraw et en créer par la suite un PDF, voilà, que je peux imprimer et emmener à l'atelier pour me baser là-dessus. Mais je peux aussi faire la chose suivante. Je sélectionne majuscule plus B, c'est sélection par boîte, et je sélectionne ce qui m'intéresse ici. Je presse contrôle plus E ou fichier exporter. Je choisis dans cette liste Autodesk DXF 2D et je lui donne un nom, trémie.dxf, va se mettre dans le bon dossier. Je lis ici téléchargement trémie, oui, c'est là. J'ai donc obtenu un fichier DXF que je vais ouvrir avec LibreCAD. Ben oui, c'est fait pour. Là, je clique sur l'icône AutoZoom et je vois tout. Donc là, je vais mettre co quelques codes quand même, quelques dimensions pour mon lasériste qui est un humain qui aimerait savoir. Hein, il n'a pas envie de prendre des dimensions lui-même. Donc je crée un layer que j'appelle dimension. Donc un calque. Je lui donne une couleur qui se voit bien et une épaisseur de trait. Que voici donc le calque, il est en gras, il est actif. Si des fois vous ouvrez pour la première fois LibreCAD et que vous ne voyez pas les icônes, ce sont ces deux écrans-là qui les font apparaître. Ensuite, c'est dimension. Alors ça se voit pas bien, vous voyez DI, c'est dimension qui nous intéresse. J'utilise l'icône Finding ici, Endpoints et Fruit Snap. Alors vous allez voir, une dimension horizontale. Donc je m'accroche sur cette extrémité, sur celle-ci, je descends, clic du milieu, je crois ici, clic du milieu pour déplacer, voilà. Je vais me déplacer à nouveau et je vais définir une dimension verticale ici et là. Je me mets vers là. Pour voir le texte en plus gros, en plus grand, option, current drawing, préférence, dimension, vous avez un facteur d'échelle ici, mettez 3 par exemple, voilà, on y voit mieux. Et votre lasériste, lui, il s'en fiche de ces traits-là. Donc, je les sélectionne, je presse sur suppression, ce sont deux lignes superposées, donc j'en ai deux à supprimer. Et voici, j'enregistre et j'envoie ça à mon lasériste, éventuellement le PDF aussi, pour qu'il sache ce que le client veut. Et je crois qu'on a pratiquement fait le tour de la question. Je sélectionne cette face, contrôle maintenu celle-ci et celle-là. Je vais dans Part, je crée ici un composé. Je sélectionne le composé comme on l'a fait précédemment. Je vais dans Draft. Je sélectionne Réseau polaire. Je clique sur Réinitialiser le point s'il le faut. 4 occurrences. OK. Et j'ai ma trémie qui est toute prête, du moins juste des faces. Mais franchement, pour le visualiser, ça suffit bien. Donc, une trémie réaliste et réalisable avec les outils traditionnels de l'atelier de tôlerie, de chaudronnerie. J'ai été heureux de vous montrer cela et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.